Don't forget to hit like, subscribe, and the bell notification. Also, leave a comment, that would be great. Oui, c'est toujours le même homme qui, avec la même baguette, se retrouve sur la scène. Monsieur Kefelou, électricien radio à Lannion, est aussi, regardez bien, un grand magicien. Monsieur Kefelou, vous êtes magicien depuis combien de temps ? Depuis l'âge de 14 ans. Et qu'est-ce qui vous a donné si tôt l'idée de faire de la magie ? Parce qu'après tout, c'est quand même assez original. Ah oui, mais je faisais l'aide opérateur dans un cinéma. Oui. Il a passé des magiciens sur scène, on se liait d'amitié, et puis ils m'ont appris quelques petits tours. Et petit à petit, vous êtes amené à faire des spectacles. Ben oui, un jour on m'a demandé à faire des spectacles, et j'étais redemandé par la suite, alors j'ai agrandi mon numéro. Et puis vous venez d'obtenir, il y a quelques jours, le premier prix au championnat mondial de la magie. Au championnat mondial de la magie, dans une catégorie spéciale, c'est pas vrai? Ah oui, évidemment, la catégorie des animaux, c'est celle que j'affectionne le plus, d'ailleurs. Des animaux bien vivants, d'ailleurs. Ah oui, ça, oui, vous savez, ils sont très gentils. Le numéro que j'ai présenté à l'Olympia m'a demandé 3 mois et demi de préparation. Je pensais être bien classé quand même parce qu'il m'était donné du mal. Oui. Mais je ne pensais pas quand même être à la première place. Premier prix dans la magie des animaux à l'Olympia, voilà un titre qui n'est pas donné à tout le monde. Il ne faut pas oublier qu'ils étaient 1200 magiciens au festival venus de tous les pays du monde. Monsieur Kefelou exécute ici une partie de son numéro de championnat. Qu'est-ce qu'il faut pour être magicien ? Quelles sont les qualités ? Ben, il faut d'abord ne pas avoir le trac. Ah ! Première qualité, de la mémoire et puis aussi du doigté. Et voilà, pas d'erreur. Les lapins et les tourterelles sont passés de la boîte de gauche à celle de droite et vice-versa sans qu'il y ait eu aucun déplacement apparent. C'est le travail de plusieurs mois qui a eu sa récompense. En vous, qu'est-ce qui vous plaît le plus ? L'électricien auto ou le magicien ? Ah, c'est-à-dire les deux me plaisent pareil. L'électricien auto dans la semaine et le magicien le dimanche. Monsieur Kefelou a ainsi de nombreux tours dans sa poche. Ces tours dont il a seul le secret, il va les présenter un peu partout. Et partout, il se fait applaudir. Quant à cette conclusion, c'est peut-être elle qui a été décisive pour le jury du championnat.